Hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont branchés à cause de l'affaire Kamen Sama. Mais je vais vous décourager tout à l'heure. Je vais vous décourager parce que bizarrement, cette vidéo-là, j'ai bien envie de la faire à cause de Bordeaux et Mix Premier. Voilà, donc ceux qui ont cliqué la vidéo pour l'affaire Kamen Sama, vous pouvez déjà sortir de la vidéo et puis revenir une autre fois parce que ce sera juste une introduction sur cette histoire-là. Donc, c'est toujours votre humble serviteur irritant. J'espère que tous mes abonnés vont bien. Parce que moi, Dieu fait grâce, je vais très 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 bien. Et j'espère aussi que vous allez bien. Voilà. Donc, on va se prendre juste après le générique. T'es nouveau, abonne-toi surtout. Voilà, abonne-toi et partage ma vidéo. Partage beaucoup beaucoup ma vidéo. Et j'ai besoin de tes commentaires dans l'espace commentaire. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. C'est votre humble serviteur irritant. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content, lâche-moi un pouce bleu, partage-moi. Hello famille, c'est comment? Bon retour à vous, bon retour à tout le monde. C'est toujours votre humble serviteur irritant, la petite voix qui dérange. On va brièvement parler du cas Carmen au Mali. Brièvement, j'ai dit, parce que j'ai dit que c'était une introduction. Parce que comme vous, je regarde aussi de loin cette histoire-là sur une page malienne, je crois, Mali Jolie Deng. Voilà, je crois, c'est ça. Mali Jolie Deng. Voilà, apparemment, même, il y a une de nos miss même qui est citée dans l'affaire. Et les gens disent ce qu'ils veulent. Ça raconte, ça raconte. Je ne suis pas en train de vous dire si c'est faux ou c'est vrai, parce que je suis aussi en train de mener mes enquêtes. Et à la fin, on viendra faire notre travail. S'il faut incriminer nos soeurs, on va les incriminer, clairement. S'il faut les défendre, on va faire tout pour les défendre. Voilà. Parce que vous savez bien que l'Ivoirien ne recule jamais, la Côte d'Ivoire ne recule jamais. Parce qu'on sait très bien que depuis ces 10 dernières années, pour ne pas dire ces 20 dernières années, la Côte d'Ivoire se fait bien respecter sur les réseaux sociaux. Bref. On dit que Kamen Sama s'est retrouvé au Mali dans une histoire de proxénétisme. C'est un peu lourd, hein? C'est quand même la veuve de notre hérité, Feu Didier Arafat. En fait, si je me prononce sur cette histoire-là, c'est pour ne pas d'abord donner mon avis sur la situation, mais pour interpeller un peu mes soeurs et frères ivoiriens. Vous savez, quand il y a une situation où il y a un seul camp qui parle, qui parle, qui parle, ne prenez pas vite position ou bien n'incriminez pas une des parties. Voilà. Faites votre propre enquête. Cherchez même à avoir, si possible, l'avis de l'autre partie muette. Et puis après, faire votre propre opinion. Mais ce qui est malheureux, surtout chez nous les Ivoiriens, ce que j'ai remarqué ces 10 dernières années, c'est que quand il y a un problème, quand on dit par exemple Eritor est un homosexuel, on ne va pas chercher à, par exemple, enquêter pour voir si effectivement ce jeune youtubeur ivoirien il est vraiment homosexuel, est-ce qu'il y a des preuves, est-ce qu'il y a des personnes qui en témoignent, est-ce qu'il y a des images et tout, des vidéos et qu'on sort. Mais comme il y a quelqu'un qui déteste Eritor, il vient vous dire qu'il est homosexuel tout de suite sur la toile. Eritor homosexuel, Eritor homosexuel. C'est pas joli comme ça en fait. Normalement, ivoirien, c'est la solidarité. Je ne sais pas si ce sont ces différentes guerres-là qui nous ont changé un peu, mais c'est pas joli à voir. Je vous dis pas que Kamen Sama n'était pas au Mali, ou bien Kamen Sama n'est pas les faits, je ne sais quoi au Mali. Mais je suis juste en train de vous dire que jusque-là, c'est une partie seulement qui parle. Et moi, comme je n'ai pas me prononcer dans ces histoires sans avoir de preuves, sans avoir mené mes propres enquêtes, je regarde ça de haut. Jusqu'à ce que on attende la goutte go, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et tout. Sinon, je ne vais pas incriminer Kamen Sama. Je vais nullement pas aussi la défendre. Voilà. Cependant, je suis juste en train d'interpeller mes frères et soeurs ivoiriens pour vous dire, effectivement, c'est vrai que à cause de certaines photos de cette jeune dame-là sur les réseaux sociaux, beaucoup sont offusqués parce que elle reste quand même une veuve et tout. Mais je vous ai déjà dit aussi qu'elle a une vie, elle a une vie, elle a besoin de refaire sa vie. Voilà. Donc, c'est pas à cause de ces petites erreurs de jeunesse parce qu'elle est encore toute jeune que quand vous allez entendre une information sur elle, tout de suite, vous allez gober cela. Non. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est faux, hein. Mais je vous demande simplement de ne pas cracher sur vos soeurs, de ne pas cracher sur votre soeur. Voilà, il faut toujours, toujours, toujours la défendre parce que le linge sale se lave toujours en famille. Quand l'extérieur attaque une de vos soeurs ou bien un de vos frères, n'attaquez pas directement ces personnes qui l'attaquent, mais cherchez à avoir toutes les informations d'abord avant de vous prononcer sur le sujet. Sinon, vous pourriez le regretter. Voilà. Donc, chers Ivoiriens, asseyez-vous bien et puis regardons bien l'épisode. Voilà, regardons bien l'épisode et puis après, on va réagir. Voilà, ne vous inquiétez même pas. C'est la petite boue qui dérange. Bref,
Ça, c'était la petite lucarne qu'amène ça. Mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, cette vidéo-là, c'est pour parler de mix premier, El Panturo de la Patana Cuista, Papana Melody. Et des Bordeaux Likoufa, oui, des Bordeaux Likoufa. On dit, Eritor, tu as cette magie-là, tu as ce professionnalisme-là de donner de l'actualité à des Bordeaux Likoufa. C'est ça, un vrai fan, en fait. Bon, c'est ce que beaucoup n'ont pas encore compris. Ils pensent que être fan, c'est dire oui. Moi, je ne dis pas oui. Quand c'est non, je dis c'est non. Mais j'ai cette capacité-là de faire parler toujours des natis. Voilà. C'est quoi le sujet de cette vidéo? Vous avez bien remarqué, je fais des sujets contradictoires, des débats contradictoires. Si vous voulez, des comparaisons de popularité de certaines de nos stars. Il y a 3 jours, c'était Didier Drogba et Didier Arafat. Qui était le plus populaire en Côte d'Ivoire? Je crois avant-hier, c'était Serge Beno et Debordo Likoufa qui était le plus populaire et qui est celui des deux qui avait vraiment, vraiment inquiété Didier Arafat dans sa carrière musicale. Aujourd'hui, je parle de mélodie, je parle de belle voix. Avant tout propos, ce que vous devez savoir, ce que vous devez retenir, c'est que je respecte ces deux monstres de la musique coupée décalée. Mais depuis que le coupé décalé est coupé décalé, remarquez bien, ce débat-là, on le fait toujours. De Mix Premier, anciennement appelé DJ Mix, et de Debordo Likoufa au Pas la Nation, qui est la plus belle voix du coupé décalé? Je vais vous laisser répondre. Moi, je vais juste avancer les arguments. Je vais vous laisser répondre. Je prends le cas Mix Premier. Effectivement, DJ Mix a une superbe, hyper belle voix. Ça, c'est indiscutable. Et puis, ce qui est bien avec DJ Mix, c'est que il nous a habitués à chanter qu'en mélodie. C'est, il est plus mélodieux qu'animateur. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Mais sincèrement, quand je vois des personnes venir dire, à cause de ça, que Mix Premier, DJ Mix a la plus belle voix du coupé décalé ou bien a une belle voix qui est de Bordeaux, non, ça reste toujours à discuter. Parce que pour les personnes qui suivent de Bordeaux depuis le début de sa carrière, vous diront que, ah, peut-être que la voix de Bordeaux n'est pas supérieure ou trop belle que celle de DJ Mix. Mais c'est vraiment difficile de se lever comme ça et dire que Mix a une belle voix qui est de Bordeaux Likoufa. Le seul problème de Bordeaux Likoufa, c'est que il ne fait pas comme Mix. Il est plus animateur et il trouve souvent 30 secondes dans ses chansons pour montrer aux gens qu'il a une belle voix avec certaines mélodies. Je vais chanter un morceau de Mix. Talandi ouais. Excusez-moi, c'est une question de voix. J'ai pas le même thème vocal avec ces derniers-là, donc on va reprendre. Talandi ouais. DJ Mix le champion tout terrain. Talandi ouais, talandi ouais, talandi ouais, talandi ouais, talandi ouais, 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 talandi ouais, ouais, talandi ouais, ouais. Vous voyez? Ceux qui connaissent la musique vont comprendre ce que j'ai entendu dire. Mix a une très belle voix. Hein. Mais sa force, c'est que c'est le mec qui peut chanter en mélodie de la première minute jusqu'à la dernière minute. Mais comme Debordo Likoufa, il est plus animateur, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il va trouver 30 secondes, une minute pour faire des envolées. Je vais vous chanter un de ce morceau, vous allez comprendre quelque chose. Ici Tilori, ici Tilori, paralo, oh, je m'appelle Debardo Likouvé, Likouvé. Je vous verrai danser, danser. Bref, les amis, dites-moi en commentaire, de vous à moi, pour vous, que tu sois légionnaire, que tu sois fan des Mix Premier, qui a la plus belle voix des deux? Quand bien même qu'on sait que les deux ont une très belle voix. Mais ne vous gênez pas, je vous dis toujours, ne vous gênez pas de donner votre avis sur ce genre de questions-là. Parce qu'elles sont normales. S'il y a des Prumut, s'il y a les Grammy Awards, s'il y a les MTV Awards, s'il y a les Kora, s'il y a les Koundé, c'est pour dire, lui-là, il est meilleur que X. Parce que nous tous, on ne peut pas être fort de la même manière. Il y a forcément un qui est plus fort. Si c'est Mix, c'est tant mieux. Si c'est Debordo pour vous aussi, c'est tant mieux. Mais en fait, moi, tous les petits débats de quartier là qu'on entend là, comme vous êtes beaucoup ici, j'aimerais que vous veniez en commentaire me donner aussi votre avis. C'est rien de méchant. Tout ça, c'est la promotion de notre musique ivoirienne. Voilà. Donc, dites-moi en commentaire entre Mix et Debordo Likoufa, qui a la belle voix du coupé décalé, la belle voix mélodieuse de ce mélodieux, même si
s'appelle déjà Papa dans la mélodie. Voilà. Ok, je vous attends en commentaire, les amis.